Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez la grosse forme aujourd'hui. C'est une demi-finale qui nous attend, donc on va lancer directement cette demi-finale pour pas perdre de temps, pour éviter que la vidéo traîne en longueur. Je vous rappelle, hein, l'équipe avec notre ami CR7, hein, qui nous a fait vraiment, pour l'instant, de superbes beaux matchs, avec des buts, il nous a tout fait, donc on va rechercher directement un adversaire pour cette demi-finale, en espérant se qualifier, hein, pour la finale de cette Coupe Gold. Donc j'espère que ça va être une vidéo assez sympa à regarder. Donc on espère vraiment, hein, de ne pas tomber sur un adversaire à 5 défenseurs si possible, parce qu'on y est habitué maintenant, ça commence un peu à saouler. Donc celui-là, la connexion est merdique, donc on va rechercher un autre adversaire. Allez, tchou-tcha-tcha-tcha-tcha, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Allez vite, petit adversaire pour un Bobax pour la demi-finale. Donc vous rappelez, hein, Balotelli, Robinho et Ronaldo forment notre attaque en 4-3-3, hein, avec des milieux de terrain Essien, Asamoah et Nocerino, hein, donc, et puis Abate, Chiellini, Ogbonna et Fabio Contrao au gardien avec Marchetti. Donc c'est une équipe qui est assez sympa, hein. Et il a quitté la partie, donc on va encore relancer, décidément ça prend du temps pour cette demi-finale, les gars. Allez, on essaye un petit peu de valider, s'il vous plaît, le match, pour qu'on puisse jouer, là, on a envie de jouer, c'est la grosse forme. On embrasse la manette pour pas oublier, surtout, la superstition, vous y êtes habitués aussi, en tant qu'Italien, d'origine italienne, on va dire, c'est normal, et donc, d'être un peu superstitieux. Alors, on joue contre Liverpool. Non, je rigole, je sais pas qui ça va être un joueur, mais qui a l'Uxon de Liverpool. On va voir la team. Allez, on lance. Geek. Ah, c'est une Geek. Un Geek. Geek FC. Alors, 4-3-3 aussi. Non, 4-3-2-1. Cette fois-ci, on a une attaque avec Oxlade-Chamberlain, Chicharito et Sturridge. En MC, on a Lampard, Oscar et Coutinho. Avec José Enrique, Koscielny, Johnson et au gardien Pepe Reina, l'Espagnol, le goal de Liverpool qui est vraiment bon sur fut, hein. Je pense que je me ferai peut-être une petite équipe avec lui un jour. J'aime bien ce gardien, là, il est assez ancien et assez rigolo. Donc bon, on espère que ça va faire du beau jeu, les gars, hein, pour cette demi-finale. Bonjour. Allez, on est parti là. Allez, on lance le match. On refait un petit bisou à la manette là pour accéder à la finale. Allez, là, j'espère que Ronaldo va continuer sur sa lancée, parce qu'il nous avait vraiment fait des super beaux gestes techniques. On va le mettre du bon côté, ça aussi vous y êtes habitué. Je mets Ronaldo côté droit pour pouvoir jouer avec lui en bas de l'écran. Allez, c'est parti. Cristiano Ronaldo qui prend le ballon pour Asamoah. Asamoah, allez Cristiano. Allez, d'entrée, là, il faut qu'il montre, voilà, un petit coup du foulard. Fin du coup du foulard, pardon. Voilà, ça c'est pour montrer à l'adversaire que d'entrée on a la capacité de le dépasser. Allez, le centre de Nocerino. Aïe, bien réceptionné. Allez, attention, Oxlade-Chamberlain qui va très vite, hein, c'est une mobilette. Avec Sturridge aussi et Chicharito, on a trois mobilettes devant. Attention, au centre, on ne dope pas, voilà, bien défendu. Fabio Contrao pour Essien. Allez, long ballon pour Robinho. Robinho, voilà. Un scoop turn là pour se mettre directement le long de la touche. Allez. Là, il y a l'appel de Ballot, je l'ai vu. On va essayer de se mettre en position de centre pour Balotelli. Allez, Ballot. Oulala. Corner peut-être. Ouais, corner. Allez, corner. On sait qu'on est très dangereux. Donc, on remet la tactique là. C'est une place en finale. Donc, on va pas faire la fine bouche. On va directement mettre le danger sur l'adversaire. Allez. Ouais, bien défendu. Allez, on y va. Oulala. Il y a cafouillage là. Il y a un gros gangbang dans la surface de réparation. Mais ça a rien donné, hein, ce gangbang. Rien du tout. Oh, attention, là, il lance dans le trou son attaquant, Oxlade Chamberlain. Je vais faire sortir le goal. Voilà, bien joué. Bien joué, Marchetti. Superbe. Tu auras un plat de pasta après le match. Pour récompenser de cette belle sortie au pied. Allez, on récupère le ballon. Nocerino, voilà. Ce joueur est très très bon, Nocerino. Il a une physique, lui aussi, énorme et décathlonien. Triathlète, je dirais même. Allez. Cristiano Ronaldo, on sait que ça peut partir de lui le danger, bien défendu là par mon adversaire, qui s'est pas laissé prendre la feinte des enchaînements de passements de jambes de CR7. Allez, ballot, allez, ballot, allez, ballot,
Voilà, Ronaldo chope de Balotelli. Allez, c'est parti pour le centre. On va à la tête, les gars. Allez, 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 on frappe. Oh, allez, allez, allez. Oh là là, bel arrêt du pied de Pepe Reina. Je vous disais juste avant le match que j'adorais ce goal. Il est capable de réflexes étonnants et de grosses toiles aussi, par des fois, parfois, mais. Mais sur fut, il est vraiment bon. Ouais, bien défendu, Chiellini. Superbe. Et ouais, c'est Pepe Reina, là, il m'intéresse pas mal. C'est vrai que j'avais vu ses stats la dernière fois, ça m'a impressionné, parce que je pensais pas qu'il fasse aussi fort. Mais il est pas mal, ce Pepe Reina. Allez, attention à Oscar, qui est très bon. 4 étoiles gestes techniques aussi, le Brésilien de Chelsea. Attention à Coutinho, lui aussi, un Brésilien de BPL, qui joue à Liverpool maintenant. Allez, Cristiano Ronaldo, allez, c'est parti. Voilà, on peut inquiéter là. Voilà, je suis bien parti. Allez, je me bats là. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là, l'arbitre? Ah, ça va être un coup franc. On va le tirer avec Chiellini pour le mettre dans la surface. Non, ah, ça n'a pas pu. La Balotelli n'a pas pu s'imposer dans les airs. Allez, c'est reparti. À Samoa pour Ogbonna. Aïe, 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 je me fais subtiliser le ballon. Ouais, ça va, tranquille. Il est encore lancé un peu trop rapidement dans le trou. Fait-il partie de ces joueurs qui font du L1 triangle? On ne sait pas. Pour l'instant, il en a fait un beau. Allez, Cristiano Ronaldo, on sait que ça peut venir. Voilà, fin du coup du foulard. Je fais une petite roulette. Allez, c'est parti. La frappe. Oh putain, joli. Oh là là, il frappe le montant d'entrée là. Balotelli. Allez, j'ai mis un peu la pression sur Pepe Reina, mais il a eu du cul ce Pepe Reina là. Un gros, gros montant là, touché par Balotelli. Allez, Cristiano Ronaldo, on va pas se laisser abattre par ce poteau. Wow, ouais, l'arbitre, il y avait McGuidi de Cristiano Ronaldo. Allez, là il peut y avoir danger aussi. Si on le met bien dans la surface. Allez, la tête. Oh la tête. Allez, allez, Chiellini. Oui, oui, le but de Chiellini complètement avec de la chatte, de la moule. Moule frite, je dirais même. Quelle chance là de Chiellini. J'ai contrôlé, mais le first touch control m'a permis de marquer puisque le contrôle était pourri de Chiellini, mais but de Chiellini. Complètement un peu au hasard, j'ai voulu frapper de volée, mais il a fait un contrôle raté et c'est rentré. Voilà, ben, c'est tout à fait fut ça. C'est pas mérité, mais il y a eu but de ma part. Allez, on va essayer de marquer un plus joli but quand même. Pas rester sur ça. Avec une victoire comme ça serait quand même dommage. Allez, on continue là. On va essayer de presser pour éviter qu'il attaque là. Il a tout seul, il faut y aller les gars là, il faut se réveiller. Allez, on va dessus là. Ouais, il y a corner là, ça a du coup d'être contré. Allez, on est vigilant sur les coups de pied arrêtés. On sait que sur fut, il y a beaucoup de buts. Allez. Voilà, c'est récupéré par Cristiano Ronaldo. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas, mais il y est. Allez. Voilà, je vais lancer Essien. Allez, Essien. Allez, avec le physique d'Essien. Ouais, c'est passé. Allez, Cristiano. Allez, Cristiano. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à donner le ballon. Voilà, pour Cristiano. Le scoop turn, la frappe de Ronaldo. Oh putain, joli, magnifique. Encore l'arrêt de Pepe Reina. On était sorti, je récupère les ballons, allez, 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 oui, superbe, une grossière erreur de la défense adverse. Salut Jack Daniel 694, bonjour à toi, un bisou, de Marseille d'ailleurs. Et ben voilà, Balotelli qui inscrit le deuxième but. Là c'est une grossière erreur de relance là, de Pepe Reina. Voilà, vous le voyez, récupéré par Balotelli. Et là il faut pas se poser de questions, une grosse frappe de Balotelli pour trouver quasiment la lucarne de Pepe Reina. Allez, on met la pression là, 2-0. On a la finale qui s'approche, on a quasiment les deux ou trois orteils d'un final. Allez les gars, Nocerino qui... Ouais, Robinho, allez, allez, on lui fait une petite fin du coup du foulard, on va essayer de lui marquer le but, hein, là, oh là là, hop, aïe, 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 ça a failli, oh putain, le ballon, j'ai cru qu'il sortait au début, après j'y suis allé sur la tête, mais non, oh là là, quel arrêt de Pepe Reina, c'était un arrêt un peu bizarre, mais il a quand même arrêté ce ballon, Pepe Reina. À la feinte de Robinho, la feinte du coup du foulard, et ensuite le beau joli beau lob. Magnifique ça, ce qu'a fait Robinho. Allez, abatté pour Cristiano Ronaldo. Allez Cristiano, voilà, un petit scoop turn. Ça passe avec un peu de lac. Fin du coup du foulard pour me remettre dans l'espace. Il prend l'espace puisqu'il est hyper rapide, vous le voyez là. Très agile, Cristiano, voilà, une petite feinte pour essayer de perturber l'adversaire. Voilà, une petite roulette. Allez, le centre. Voilà, allez, ballon. Oulala, ballon. Il s'impose pas dans les airs. Allez, attention, Oxel Chamberlain, le mec qui a tendance à mettre devant. Voilà, je crois qu'il y avait hors-jeu là. Oui, il y a hors-jeu là. Voilà. Et il a tendance à faire des balles dans le trou là, ce joueur. Donc il faut être très vigilant. Ne pas se lancer déjà et ne pas trop presser aussi. Un conseil que je vous donne face à des joueurs qui jouent à les triangles, ne pas presser avec vos défenseurs. Faites-les plutôt reculer manuellement. Ça vous aidera à prendre trop de comptes parce que là, il y en a beaucoup en ligne qui jouent comme ça. Allez, on essaye de l'empêcher de tirer. Oh là là, bel arrêt de Marchetti, bravo.
Bravo Marchetti. Allez, on va essayer d'être vigilant pour ne pas s'encaisser. Ouais, encore un dégagement de Marchetti, bravo. Il mérite son plat de pâte. La pasta. Attention. Oh là là. Oh là là. Là, c'est un pilonnage, là, c'est le débarquement. De 44. Allez, c'est parti pour Cristiano Ronaldo. À la fin du coup du foulard, mais il n'est pas passé dans la feinte. Allez. Un petit temps calme, le ballon tourne. Voilà, Samoa qui récupère avec le physique de Samoa. Allez, Cristiano. Oh, il est pris par deux défenseurs, Cristiano Ronaldo. C'était dur de passer. Allez, on presse. Non, il envoie encore devant. Là, c'est pas une bonne technique, garçon. Là. Il va falloir jouer mieux le coup. Allez, le Serino pour Cristiano Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo, c'est là qu'on aime le voir. Sur son côté. Voilà. Aïe, il s'est pas pris pour le sculpteur. Non. Bon, ben, c'est la mi-temps, les gars. On gagne 2-0. Un but de Chiellini à la 25e minute et de Balotelli. Grosse frappe et grossière erreur là de relance de Pepe Reina qui nous permet, voilà, on voit le but un peu au hasard de Chiellini. Alors qu'est-ce qu'on a, 3 tirs cadrés pour nous, 3 tirs cadrés pour lui, 57% de possession pour nous. Ouais, c'est un match quand même assez serré au niveau des occasions, des tirs. Mais au niveau de la possession, nous sommes devant. Allez, c'est parti. Allez, on met de suite la pression là, voilà, pour Cristiano Ronaldo sur l'aile. Je vois, il y a Balotelli qui est au centre. Allez, je vais essayer de lui mettre un ballon sur la tête. Allez, ballon, allez, ballon, allez, allez, oui, oh, voilà. Et voilà Balotelli sur un centre de Cristiano Ronaldo, pied droit. Bien enveloppé Balotelli. Et voilà les gars. Super, Bonatti, cette finale 3-0. Il ne peut plus rien nous arriver quasiment. Si on est sérieux comme ça. Voilà, la tête, il était tout seul au point de pénalty, hein, Balotelli. Donc il y avait de fortes chances qu'il marque. Superbe centre de Cristiano Ronaldo, hein, il est décisif à chaque match, que ce soit sur des passes, sur des buts. Allez, voilà, fin du coup du foulard. Aïe, 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 j'en fais un peu trop là. On va pas commencer à se déconcentrer, les gars. Je voulais en faire un peu trop, c'est pas bien joué de ma part. Allez, Bonin. Oh là, l'arbitre, il y avait peut-être une petite faute là. Allez, on l'empêche, attention. Oh là là, Sturridge, dangereux Sturridge. C'est une mobilette et en plus il est pas mauvais. Ouais, là, il faut que je remette Cristiano Ronaldo de son côté. Pour pouvoir l'utiliser au mieux, voilà, c'est fait. C'est ce que je vous disais là, quand je vous ai présenté l'équipe, que j'allais le changer de côté. Pour pouvoir au mieux l'utiliser, que vous voyez un petit peu ce que vaut Cristiano Ronaldo. Puisque je développe mes attaques surtout en bas d'écran. Voilà, allez, c'est parti. Ah, c'est ballon lancé carrément pour Balotelli. Allez, 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 allez. Oh là là, ça a failli là, le prendre là. J'ai mis un petit ballon dans le trou là. Ça a fait du bien à mon adversaire qui fait beaucoup ça. Allez, il a montré qu'on était présent. Voilà, c'est parti. Allez, Cristiano. Voilà, Cristiano. Là, vous voyez sa vitesse. Hein. Il est capable de partir tout seul. On enchaîne un petit dribble et ça peut faire mal. Regardez. Voilà, Cristiano Ronaldo. Allez, fin du coup du foulard. Allez, c'est parti. Je récupère le ballon. Allez, Cristiano. Allez. Voilà, là, je vais pouvoir faire une grosse frappe. Allez. Ah, putain, j'arrive pas. Voilà. C'est la grosse frappe. Elle est contrée. Oh là 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 là. Superbe. Superbe défense. J'ai pourtant enchaîné la roulette puisqu'il y avait le défenseur face à moi. Attention, on laisse pas passer Oxlade Chamberlain. Voilà, bien joué, Abatté. Un des meilleurs latérales de Serie A, Abatté. Hein. Largement, Milan AC. Allez, le centre. Allez, 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 allez. Oh putain. Oh là là, il y avait personne au centre. J'étais obligé de faire une geste technique. Allez, là, je le récupère. Non, bien joué, bien défendu de la part de Koscielny. Allez, ici, je vais relancer à Cristiano Ronaldo, lui seul. Voilà, un petit scoop turn. Je reviens sur mes pieds. Allez, voilà. Allez les gars, petite roulette. Allez Cristiano, le centre de Cristiano. Putain, c'était. Allez, je récupère le ballon là normalement. Ouais, bien joué. Il n'y a rien l'arbitre là, c'était un tacle normal sur le ballon. Normalement, il n'y avait pas faute. Vous voyez les capacités, les qualités de Cristiano Ronaldo en dribble avec son agilité et sa vivacité. Vous pouvez vous régaler sur le côté et surtout énerver votre adversaire aussi. Allez, c'est parti. Attention à Chicharito. Attention à Chicharito, il a une accélération démentielle. Ouais, il est bien contré là, il y avait trois défenseurs. Comme je vous disais, c'est l'avantage de mettre des MC défensifs. Allez, c'est parti. On essaie de récupérer le ballon là. Voilà, c'est bien défendu de la part de Fabio Contrao. Voilà, allez Cristiano Ronaldo, voilà, sculpteur de Ronaldo. Allez, oh, attention, oh, il y a un blessé là. Il ne se relève plus l'adversaire. Peut-être devoir faire sortir ce joueur là qui a l'air complètement mort. Allez Cristiano, sculpteur de Cristiano Ronaldo. Voilà, il nous régale. Ouais, il nous régale Cristiano. Koscielny ne s'est pas laissé prendre un sculpteur. Allez, voilà, c'est bien joué de la part d'Asamoah.
c'est parti pour Cristiano Ronaldo, la vitesse, je vais enrouler, aïe, ça a failli l'enrouler de Cristiano Ronaldo, c'est rare qu'il manque ça, mais il a manqué, dommage, j'ai bien enroulé ma frappe, allez, c'est parti, on va essayer de récupérer le ballon avec Balotelli, non, bien défendu, Koscielny qui fait un gros match, allez Cristiano, oh là là, j'ai manqué le geste technique, ça fait une talonnade, magnifique. Allez, on récupère le ballon à Chitarito, faut pas lui laisser trop d'espace à ce joueur. Voilà pour Essien. Allez Essien, voilà, là, ça va écarter pour Ronaldo. Voilà Ronaldo. Scoop turn. Voilà, c'est bien joué. Ouais, j'ai tenté la frappe directe. Pied gauche d'Essien, mais non. C'est pas rentré là, il avait super bien taclé pour m'empêcher de frapper. Superbement bien joué. Bon mais les gars, j'espère que si ce match est gagné, donc on aura le droit à la finale dans quelques jours. Je vous la posterai d'ici quelques jours. Et ensuite, on va enchaîner peut-être un tuto dribble, je pense, qui est en cours de formation. Donc, ce sera la prochaine vidéo après la finale, si je gagne ce match-là. On mettra la finale et ensuite un petit tuto dribble. Et puis, il y a aussi un tuto 4-3-3 et 4-3-2-1 en même temps, qui est en cours de réalisation, hein, puisque ça m'a été demandé. Donc, on va le faire bientôt. Et puis, il y a surtout aussi la sortie de la team of the season dans pas très longtemps, dans quelques semaines. Comme vous allez voir la vidéo, il faudra encore attendre peut-être quelques semaines. Oh là, il y a pénalty là pour Cristiano. Ouais, pénalty, bien sûr. Cristiano Ronaldo, j'ai fait quelques dribbles et il a obtenu le pénalty encore, donc il est très très décisif dans ce match. Allez, je vais essayer de lui mettre au fond pour le 4-0. Allez. Ouais, il n'est pas parti du bon côté là, Pepe Reina. Et 4-0, donc je pense que le match est plié, vu qu'il reste 13 minutes de jeu. Et donc voilà, je vous dis les gars, petite finale et ensuite tuto dribble et tuto 4-3-3, 4-3-2-1. Donc en réalisation bientôt là, ça devrait sortir dans pas très longtemps du coup. Allez, c'est parti Cristiano Ronaldo, encore un scoop turn de Cristiano Ronaldo. Allez les gars, ouais, il y a du monde, non, il n'y avait personne à la surface, allez ballot. Allez, on va pas se laisser abattre, on va mettre un petit cinquième peut-être. Allez, Fabio Contrao. Aïe. Il défend bien là sur le coup. Attention à Sturridge. Ouais, c'est tranquille ça pour Chiellini qui a compris qu'il mettait beaucoup de ballons dans le trou. Du coup, il reste derrière. Allez, Cristiano. Voilà, une petite feinte de passement et il partit en accélération. Allez, Cristiano. C'est une grosse frappe de Cristiano si j'ai la place. Allez, Cristiano. Allez, là, Cristiano. Ah, il est toujours devant moi. Hein. C'est dur d'enchaîner. Il est devant donc ça sert à rien de frapper. Allez, ouais, la frappe. Bien récupéré par Abatté. Allez, Nocerino. La grosse frappe de Nocerino. Oh, elle est contrée. Ah, ça va être un corner. On va pouvoir lui mettre la pression. Allez, les gars. Allez, la tête. Oh là 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 là. Oui, il y a pénalty, là, arbitre. Eh oui, il y a pénalty. Eh oui, il a mis un tacle au niveau des deux genoux, là, à la José Anigo. Ah, là, par contre, je vais pas le tirer parce que c'est quand même deux pénalty. Je vais lui laisser. Ça craint. On a marqué deux pénalty quand même dans un match, on va le manquer, voilà. Allez, il a bien manqué Cristiano Ronaldo. Voilà, comme ça on ne pourra pas dire qu'on a eu deux pénalty. Et bah, c'est parti pour la tête, allez ballon, on peut marquer un cinquième là normalement. Aïe, oh la faute là, l'arbitre il va lui mettre un carton là. Eh oui, c'est le rouge, il avait son deuxième Hager, Mick Jagger. Il lui a pris un deuxième jaune et c'est le rouge. Allez, on va tenter de marquer peut-être un coup franc avec Cristiano Ronaldo. Ouais, voilà, grosse faute, hein. La guerre. Allez, Cristiano. La frappe de Cristiano. Bien arrêté par Pepe Reina. Superbe. Reste que quelques minutes. Ça va être bientôt la fin de cette rencontre, les gars. Allez, on récupère le ballon de la tête. Peut-être inscrire ce cinquième but, là. Allez. Ah non, il est bien défendu à deux, là, sur Cristiano Ronaldo. Bon, lance-le. Non, il est trop loin, là. On pourra rien faire avec ça. Allez, on récupère le ballon. Voilà, superbe, Nocerino. Quel travail de Nocerino. Ici, il vient de perdre le ballon. Allez, on essaye de lui prendre. Voilà, bien Fabio Contrao. Mais je crois que ça va siffler. Non, ça siffle toujours pas. Voilà, je vais avoir encore une dernière action. Allez, Cristiano. Allez. On lui montre, on lui met ce cinquième là. Allez, Cristiano. Oh là là, bien défendu là. J'ai pas réussi à faire ma feinte favorite et ça va être la fin du match. Allez, la tête. Oh là là. Et non, il laisse encore le jeu. L'arbitre qui a mis beaucoup d'arrêts de jeu, il a oublié peut-être le sifflet. Je sais pas ce qu'il a oublié. Oh, la belle frappe de Marquet. Belle frappe de Chitarito, bien arrêté par Marchetti.
Allez. Ça doit être la fin là, si je dégage. Oh là, il a failli marquer. Ouais, c'est la fin du match, les gars, voilà. On est en finale. 4-0. Superbe, les gars, superbe, superbe match. 9-2 pour Balotelli, 9-2 pour Cristiano Ronaldo, 8 pour Robinho. Ah, c'est vraiment une belle, belle rencontre là, 532 crédits. On va regarder peut-être les détails de ce match. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'important? Ouais, ben voilà, hein, les gars, c'est la finale déjà. Donc on va la jouer rapidement pour vous la poster le plus vite possible. Donc n'oubliez pas les futurs tutos hein, en tout genre, hein, tuto skill, tuto formation. Et voilà, 9 tirs cadrés à 4. Donc on a fait une meilleure deuxième mi-temps. Je vous fais des gros bisous, les loulous. Et à très bientôt.